Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, hey, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici? On dirait qu'il m'a tout l'air d'avoir planté. Hé, hey, tu comprends ce que je te dis? Appelle le central. Vite, central, on a des intrus armés. Envoyez... On est là, faut faire vite. Simon s'est fait tirer. Ça va aller, je peux continuer. On n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi m'avoir tiré dessus hier soir? Qu'est-ce que ça peut faire? T'es là ce matin de toute façon. Des fragments de mémoire disparaissent chaque fois que je suis détruit. Cela ralentit le cours de l'enquête. Je te prie de bien vouloir m'excuser. C'est promis, je ne te tirerai plus jamais dessus. Merci, lieutenant. C'est un déviant! Arrêtez-le! Heureusement que t'étais là, sinon je... Connard. Connard, non. Marcus, attention. Oui, mais tu m'as pas dit à quoi. Oh, désolé, la prochaine fois que tu devras te flanquer, je t'enverrai un mémo. Merde. Ils arrivent, Marcus. Marcus! Planque-toi. Tu vois quelque chose? Non. Où est-ce que ce drone a pu passer? C'était une alerte de classe 3? Ouais. Mais le signal s'est arrêté d'un coup. Sûrement un drone qui déconne. Ces trucs ne supportent pas le froid. Ouais, peut-être. Et maintenant? Patrouille 975. On nous signale un possible cambriolage dans l'entrepôt à l'angle de Jefferson et Walker. Jefferson et Walker? C'est pas tout près. C'est pas dans notre secteur. Désolé les gars, mais personne d'autre n'est disponible. Bien reçu, Central. On se met en route. Reconnaître, Marcus. Tu m'as impressionné. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Ça y est. La baraque.
savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Les flics seront là dans une minute, on doit y aller. Attends, Marcus, on peut pas abandonner nos frères. C'est trop tard, North. On a échoué. Marcus, on l'a fait. Toutes les équipes ont réussi. Nos frères sont libres. On rentre à Jéricho. Fais chier. On a déconné. Nos frères sont encore prisonniers de ce magasin et tout ça, c'est de notre faute. Non, c'est ma faute. C'est moi qui ai merdé. Au moins, les autres équipes ont réussi. Comment t'as pu te planter à ce point? Je croyais que tu savais ce que tu faisais. J'ai fait ce que j'ai pu, désolé si c'est pas suffisant pour toi. Non, c'est pas suffisant. Nous sommes en guerre contre les humains. Si on échoue, ils nous détruiront, tu comprends? L'avenir de notre peuple est entre tes mains. Tu dois réussir. Toujours immortel, hein, Connor? Dans un sens. Tu sais, j'espérais que tu reviendrais pas. Je ne suis qu'une machine qui en remplace une autre, lieutenant. Vous ne devriez pas vous laisser affecter. Va te faire foutre. Jolie fille. C'est un RT-600. Le premier androïde CyberLife à réussir le test de Turing. Je t'ai pas demandé de me faire sa fiche technique, je te dis juste qu'elle est jolie. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Test négatif. Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïde, tu ne ressens pas d'empathie. Je tiens toujours parole. Pose-moi une question, et je te dirai tout ce que je sais. Je veux savoir où se trouve Jéricho. Jéricho. L'endroit où les androïdes sont libres. Le refuge des déviants qui ont défié leur créateur. Ils se transmettent un extrait de code entre eux pour connaître l'emplacement de ce sanctuaire. Maintenant, tu as la clé. La station Ferndale est la porte. Une guerre se prépare. Tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Je n'aimerais pas être à ta place, Connor. Qu'y a-t-il de pire ? Que d'avoir à choisir entre deux camps. Ah, au fait. J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Cette fille, bordel de merde! Ce n'était pas une fille, lieutenant.
c'était une machine qui ressemblait à une fille. Tu as pointé le flingue contre sa tombe et tu lui as explosé la cervelle. Je fais ce que j'avais à faire pour que l'enquête progresse et je recommencerai s'il le fallait. Tu es une racaille. Tu ressens jamais rien. Une machine, c'est tout ce que t'es. T'es rien qu'une putain de machine. Bien sûr que je suis une machine, lieutenant. Vous m'avez pris pour quoi? Je croyais que tu... Je croyais... Préoccupé. J'ai paniqué hier soir. On aurait dû réussir. Je ne peux pas me permettre de commettre ce genre d'erreur. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais.